certaine contrainte à l'interne, nous voulons proposer à l'assistance d'aller avec un seul groupe de travail. Au nom de l'assistance, motion acceptée. Merci, monsieur le président. Nous allons demander à la partie commission de commencer par les présentations sur 2017. Sur la méthodologie d'abord. Ok. Merci, monsieur le président. Je vous fais le point rapide sur la méthodologie qui va marquer notre séance de travail de ce matin jusqu'à demain. Pour ceux qui avaient suivi la revue de l'année passée, la méthodologie adoptée n'a pas évolué. Mais cependant, nous allons essayer de revenir sur toutes les questions en termes de méthodologie qui sera présentée autour de quatre points. Le premier point, c'est le rappel du contexte de la revue annuelle des réformes. Le point 2, c'est l'approche de notation, la méthodologie d'évaluation des projets, des programmes. Et puis enfin, l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la revue édition 2017. En termes de contexte, la revue annuelle a été instituée par l'acte traditionnel numéro 5 du 24 octobre 2013. Et les modalités de la mise en œuvre de cette activité a été précisée par la décision du Conseil des ministres du 19 décembre 2013. Et depuis lors, nous avons déjà connu trois éditions de revue. La première en 2014, la deuxième en 2015. En 2016, il y a eu une contrainte de calendrier. Et voilà, ça n'a pas eu lieu. Mais en 2017, c'est-à-dire l'année passée, la revue s'est bien tenue. Et tout à l'heure, nous allons revisiter